Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. On va commencer, on va voir si ça marche parce que il y a écrit connexion instable chez moi. Du coup, s'il y a quelqu'un, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire. Ah, ça fait longtemps que j'étais pas venue sur le groupe et puis du coup, bah. Si je fais pas pareil. En plus, pour tout vous avouer, je voulais vous faire un partage d'écran via Zoom, mais évidemment, vous n'êtes pas sur Zoom avec moi, donc ça va pas marcher. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé une petite photo juste avant. Alors, comment ça peut faire? Toujours aussi doué en informatique. Ah, je vois qu'il y a une personne, franchement, je ne sais pas qui est là, mais si juste tu peux me dire si ça marche, ben, ça me le ferait bien. Allez, j'ai réinitialisé. Bon, j'ai plus personne avec moi. On va essayer. Ou alors je passe par le téléphone, je sais. Ça vous laisse le temps d'arriver. Venez, venez. Venez parce que franchement, c'est pour moi la partie vraiment à faire en interaction. Parce que expliquer pour expliquer. Enfin, moi, c'est pas trop comme ça que je fonctionne. Mais expliquer en interaction, ça a du sens. Là, l'écran et l'autre. Pour les commentaires, ça me change un peu du portable où c'est écrit en tout petit. Ok, bon bah je vais commencer quand même, même s'il n'y a personne. C'est la première fois que je viens à ce store-là, mais en fait, ouais, j'avais trop envie de venir parler de ça. Et c'est le seul créneau que j'avais aujourd'hui. Là, c'est un peu la journée de la course des allers-retours. C'est des habits en montagne. Pour tout le reste, les enfants et tout et tout. Mais ouais, j'avais pas envie d'attendre en fait. Je me dis que c'était là et donc j'avais envie de le partager. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venue sur le groupe privé. Là, je faisais un peu tous les lives sur mon profil. Mais du coup, comme là, on va un peu parler de choses plus intimes, ben, j'avais envie que s'il y a des gens qui sont avec moi aujourd'hui, ils se sentent libres d'écrire des commentaires sans que forcément leurs amis sur Facebook soient témoins de leurs commentaires. Donc voilà. Donc venez, venez avec moi. Je vois qu'il y a une personne, qui c'est? Dites-moi qui c'est. Allez, on commence ensemble comme ça. C'est un petit groupe. Allez. Puis en plus, des fois, je ne sais pas si c'est que je ne vois pas les commentaires ou s'il y en a. C'est pour ça, juste même un petit coucou comme ça je sais que tu as. Je vais essayer d'en envoyer un, moi. Stéphanie, t'es là. Merci, ma sauveuse. Ma sauveuse. Bon, allez, toutes les deux, hein? Là, tu connais, toi, l'intelligence émotionnelle. Comment tu vas? Dis-moi un petit peu, c'est passé des années. Comment tu sens un peu les énervements? Le mois de février, hein, avec ta stabilité, je suis sûre que tu sens plein de choses. Hein. On sent vraiment de plus en plus fort que les énergies changent tout le temps avec la nouvelle lune, le nouveau portail. Tout ça quoi. Alors, donc, allez, je commence, on y va. Donc, bah juste, j'avais envie de remettre l'agence émotionnelle et donc de les pousser un peu plus. En général, bah, c'est quand je travaille avec les personnes. Mais en fait, maintenant, dans mes propositions, comme j'ai envie de faire que de l'expérientiel, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de qu'il y ait ce. Soit des groupes
ou en individuel, mais voilà, qui n'ait pas forcément besoin de revenir sur des concepts, mais juste qu'on soit dans l'expérience. Donc c'est pour ça que pour moi, comme c'est la base, ben en fait, j'ai trop envie d'en parler. Alors l'année dernière, j'avais fait une masterclass de 2 heures sur intelligence émotionnelle. Là, on va la regarder plus rapidement parce que c'est surtout les nouvelles choses dont j'ai envie qu'on parle. J'ai vraiment envie qu'on parle de la honte, de la culpabilité, de l'humiliation. Et l'autre, c'était quoi? Gêne. Alors, juste, on va remettre. L'image que j'ai mise, la calèche, c'est ce qui représente la conscience. Et moi, vraiment, c'est mon modèle pour parler de l'intelligence émotionnelle. Donc, très rapidement, le cocher, il représente le mental. Les chevaux représentent nos émotions. La calèche représente le corps. Et le petit passager représente notre âme, le maître intérieur, ce qui connaît la direction à suivre. Et ce dessin, il aide pourquoi? Bah parce que bah c'est comme les métaphores en hypnose, il va nous aider un petit peu à se positionner. Parce que, en fait, ce qui complexifie les choses, qui fait que des fois c'est difficile, c'est vraiment que quand les énergies ou les émotions nous traversent, on croit qu'on est ça. On croit qu'on est la colère, on croit qu'on est la tristesse, on vient vraiment s'identifier à ce qu'on ressent. On croit qu'on est la douleur, Et c'est là en fait où ça prend beaucoup de place. Donc l'idée c'est hop déjà juste avec ce dessin de pouvoir faire un pas de côté. Donc le cocher, bah, c'est le mental, hein. C'est un peu le hamster qui tourne dans sa cage. C'est bah, celui qui dirige, mais en fait en vrai il connaît pas la direction. Donc il dirige. Mais quand on ne connaît pas la direction, on peut diriger assez bizarrement. Le mental, bah dedans, moi, je vais regrouper un petit peu tout ce qui va être nos croyances, ouais, l'inconscient, tous nos mécanismes. C'est un peu toute la mécanique du moi, en fait. Tout ce qu'on va retrouver aussi dans nos mécanismes de survie. Hein, souvent, je parle de passer de la survie à la vie, parce qu'il y a les mécanismes de défense qu'on a mis en place, mais dans la réalité, je sais plus qui disait ça, mais c'est un peu quand on a peur de quelque chose, par exemple, demandons-nous, est-ce que le lion est dans la pièce? Est-ce que c'est une peur qui est là pour nous sauver la peau, comme c'est le but dans notre cerveau reptilien? Donc, est-ce qu'il y a un lion dans la pièce? Et dans ces cas-là, pour sauver notre peau, on va devoir fuir, lutter ou avoir tellement peur qu'on va s'immobiliser? Et que ça peut aussi sauver notre peau des fois, ne pas bouger. Ou alors, on fait le pas de côté et on se rend compte que bah, il n'y a pas le lion dans la pièce. Et qu'en fait, c'est une peur qu'on va pouvoir venir surmonter. Voilà. Donc, le mental, il contient tout notre système de protection, mais des fois, il va nous protéger pour rien. Donc, les 5 émotions principales, ben, on a ce que j'ai mis dans le texte, tristesse, colère, joie, dégoût, peur. Donc, peur, on a vu, c'est l'émotion de la survie. On est dans la gardienne de la vie. Et en fait, l'idée, c'est que les émotions, on va les mettre tout le temps dans une dualité et on va croire qu'il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. Moi, ça, c'est un truc qui me... Ouh! Non. Si on part sur ce principe-là, bah forcément, on va regarder ce qui est moche. Et puis du coup, on ne va pas accepter ça parce que c'est moche. Puis on ne va pas trop accepter que le moche nous traverse. Pour moi, de mon point de vue, les émotions, c'est de l'information. Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni positives, ni négatives. Elles sont. Et elles nous traversent. Du coup, bah elles viennent en fait nous donner une indication. Parce que le corps, lui, il ment jamais. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres rencontres. Le corps, il ment jamais. Donc, en fait, à partir du moment où aussi une émotion va le traverser, c'est qu'il va venir nous révéler de l'information. De l'information sur nous, de l'information sur des mémoires, peut-être à libérer. Et du coup, il y a des choses à travers les émotions qu'il va falloir mettre en conscience, qu'il va falloir comprendre pour avancer. D'où l'intérêt d'expliquer certains concepts, certaines choses, parce que des fois, juste de comprendre, hop, ça avance. Et des fois, il y a juste à se laisser traverser pour que le corps, il fasse le ménage par lui-même.
Mais si on rentre en opposition avec ça, eh ben, on va mettre de la contraction. Et on a vu que, en fait, notre véritable nature, c'est la paix. Et le bazar, en fait, la paix, c'est l'absence de tension. Donc, dès qu'il y a des tensions, dès qu'on résiste, on rentre en résistance avec quelque chose, on n'est plus dans la paix. Et c'est ce qui va faire qu'on va être malmené et qu'on va commencer à s'identifier à notre souffrance, à ce qui nous traverse. Donc, du coup, déjà, si dans l'intelligence émotionnelle, on peut se dire que ben, les choses, elles ont le droit de nous traverser parce que de toute façon, on ne les contrôle pas et qu'elles nous traversent, on va pouvoir amener une attention peut-être particulière dessus, déployer la tendresse avec ça. Donc, tristesse, son job, c'est lâcher prise, accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est le process de deuil. Donc, en fait, quand on est triste, eh ben, il y a un ménage qui est en train de se faire à l'intérieur. On est en train de lâcher des choses auxquelles peut-être avant on était accroché et on ne s'accroche plus. Et souvent, dans le travail de connaissance de soi, eh ben, plus on enlève les couches d'oignons de ce qu'on n'est pas pour aller vers ce qu'on est, plus parfois on peut aussi ressentir de la tristesse parce que on vient lâcher l'ancienne identité. Et donc, dans lâcher quelque chose, bah, il y a quelque chose qui peut aussi nous rendre triste. Voilà, ça fait 40 ans que je crois que je suis ça. Au moment où je me rends compte que je ne suis pas ça, eh bien, ça peut amener un peu cette tristesse aussi. Donc, elle fait son job, elle passe à travers le corps, elle nous nettoie et c'est OK. Donc, tristesse, colère. Colère, c'est l'affirmation de soi et le respect. Dans toutes ces dimensions. Se respecter soi-même et se faire respecter. C'est tout le lien au fait de poser ses limites aussi. Il y a une énorme puissance dans la colère, mais si elle n'est pas vue en tant que telle, elle peut être dévastatrice. Et très souvent, il va y avoir des croyances associées à la colère que c'est une émotion qui fait du mal, qui peut faire du mal à soi et qui peut faire du mal à l'autre. Mais si on l'accueille en tant que telle, en tant que messagère, elle peut véritablement se transformer en créativité, en amour de soi, parce que elle amène à, ok, tiens, là, je sens de la colère, qu'est-ce que je ne respecte pas? Quel est mon besoin? Et comment je vais pouvoir prendre soin de moi sans projeter ce que je ressens sur l'autre? Et donc, la colère, elle permet aussi vraiment, véritablement de déployer, ouais, l'amour, la voix de la tendresse. Voilà. En gros, je fais hyper rapide aujourd'hui. Parce que ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais du coup, là, j'ai envie de vous juste vous transmettre un petit condensé. Donc, colère, peur, on a vu. Tristesse, on a vu. Joie, bah, c'est un peu notre véritable nature, hein, mine de rien. C'est directement relié à notre âme. Pas dans... Donc, il y aurait peut-être différentes joies. Une joie plus reliée à... Tiens, j'obtiens ça, je suis content. Et la joie profonde d'être, qui elle est directement reliée à l'âme, à l'enfant intérieur, quand je me sens complet dedans, que je n'ai plus besoin d'obtenir quelque chose à l'extérieur, ben, je connecte à cette joie profonde qui fait que même s'il y a d'autres émotions qui viennent par-dessus, il y a cette joie de la conscience d'être. Qui vient accueillir le reste. Un peu comme des fois, je vous dis, ouais, je kiffe de plus en plus les périodes de contraction. Ça ne veut pas dire que des fois, c'est moins douloureux. Hein, dans l'hypersensibilité, ça se vit hyper fort quand les choses, elles traversent, toujours. Mais je sais pas, il y a cette joie derrière qui dit que, y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui va faire grandir. Et cette joie, elle peut être sous-jacente à toutes les autres émotions. Voilà. Le dégoût, eh ben le dégoût, mine de rien, on est dans l'attraction, la répulsion. D'accord? Le dégoût, il est aussi là pour nous dire que quelque chose peut être dangereux pour nous. Par exemple, vous allez accueillir des champignons. Je sais pas, il y en a un. Il y a le dégoût qui va venir. Ben, peut-être que ce dégoût, en fait, il est en train de faire de la répulsion parce que ce champignon-là n'est pas bon pour soi. Mais ça, on a tellement perdu l'habitude de détecter ce qui est bon pour nous ou pas,
ben, que on l'a un peu perdu ça. Et que du coup, même quand on va avoir des dégoûts, un dégoût qui peut monter dans un lieu, dans une situation, avec une personne, on va se dire, mais je suis horrible de penser ça, c'est pas bien. Ben, peut-être que cette forme de répulsion, tout d'un coup, peut être juste un système d'alarme interne qui viendrait dire, fais gaffe. Attention. Hein, les gens ne sont pas, on n'est pas dans un monde de bisounours, dans la matérialité. Ben, il y a des gens qu'avant on peut rencontrer pour aller grandir. Puis il y a des situations, des gens qu'on n'a plus besoin d'aller approfondir quelque chose dans la relation parce qu'on viendrait se positionner en sauveur, en bourreau, en victime. Voilà, quand on revient dans son axe, dans sa responsabilité, mais peut-être qu'on peut faire un peu plus confiance à ce détecteur intérieur qui dit non, mais en fait, ça c'est bon. Ça, non, en fait, ce n'est plus bon pour moi. Ça l'a été, et merci. Et ça ne veut pas dire qu'on juge l'autre, la situation, le lieu ou quoi que ce soit. C'est juste d'accepter que parfois, dans cette répulsion qui peut émerger, c'est juste une référence interne. Et comme on a eu l'habitude de brancher que à des trucs externes, ce qu'on dit être bon doit être bon pour tout le monde. Sauf que non, parce qu'on est différent. Voilà. Il y en a par exemple qui ont pu sentir que le vaccin, c'était bon pour eux, c'était juste. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ils ont fait ce qui était juste pour eux. Et puis d'autres, quand ils se connectent à ça, eh ben, ils ont pu peut-être ressentir ce dégoût. Ben, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont tort, qu'ils ont raison. Ça veut juste dire que eux, pour eux, cette substance n'était pas forcément bonne. Donc voilà, j'avais aussi envie de réintégrer le dégoût. Parce que, en fait, avant, j'en parlais pas non plus. Mais je trouve que, ouais, il vient aussi dans accepter de ressentir ce qu'on ressent quand on le ressent. Et on ne contrôle toujours pas ça. Mais comme étant de l'information, un indicateur pour nous. Donc ça passe par le corps. Donc c'est être attentif au corps. Donc finalement, le kairos qui représente le corps physique, il est ce trait d'union entre notre mental, notre âme, et les émotions vont permettre de s'exprimer à travers lui. Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, oubliez pas hein, que le corps aussi, il fait pas la différence entre une blessure du passé et quelque chose de réactivé. Ça veut dire que, clac, on va avoir une pensée, il va se passer un événement, il va y avoir une pensée qui va venir réactiver une émotion et qui va, du coup, faire prendre une espèce de décision. Voilà, est-ce que je retourne dans les mémoires telles qu'elles étaient, ou alors je vais faire un choix en prenant de nouvelles décisions, en montrant à mon corps que j'arrête de vivre dans le passé, mais qu'en faisant ce travail d'alignement interne, je vis maintenant dans le futur depuis l'espace du présent. Je crée ce nouveau futur. Parce que je vais créer ces nouveaux chemins neuronaux en étant attentif aux réactivations qui se créent à l'intérieur de moi au niveau des émotions. Voilà. Je ne sais pas si ça parle. Est-ce qu'il y a du monde qui nous a rejoints? Oh, je me sens pleine patate d'énergie en ce moment. Peut-être que je suis un peu speed, mais j'aime bien aussi. Des fois, c'est tout tranquille et des fois, c'est tout foufou la galette dedans. Alors, Stéphanie, tu me dis, je vais bien. Ça bouge bien, oui. Je peux rester un petit moment. Ah bah c'est cool, bon, on est toutes les deux. Bon, bah écoute, on va continuer toutes les deux. Est-ce que du coup ça te parle? Est-ce que là, le fait aussi de rajouter le dégoût, est-ce que... ouais, est-ce que tu l'avais intégré? C'est vrai que tu sais, dans le dessin animé, comment il s'appelle Vice-versa, il y a des goûts, il est là aussi. Et moi, je ne le prenais pas forcément en compte avant. Donc, je ne sais pas, est-ce que là, de parler du dégoût comme ça te ramène un petit truc en plus ou pas? Tout est clair, merci. C'est bien aussi de reprendre les bases. Ouais. Ouais. Avant, tu sais, je me disais, mais peut-être tu répètes tout le temps la même chose, mais en fait,
Même moi, des fois, j'ai besoin de réentendre des trucs. Et je crois qu'on peut se le répéter autant de fois. On va toujours aller choper une information qu'on n'avait pas avant. Un truc qui peut faire tilt dedans, un autre niveau de réflexion, de conscience, vis-à-vis du chemin où on en est quand on réécoute les choses. Et ça, je trouve ça passionnant. Oui, des goûts, en effet. On le zappe souvent, mais il est bien là aussi. Ouais. Et puis c'est vrai que dans dégoût, tu vois, il y aurait un peu ce truc de connotation négative. Alors que si on le considère comme étant un moyen de ne pas s'intoxifier, de ben en fait, il peut être un sacré révélateur de nous-mêmes aussi. Voilà. Alors ça, c'est les cinq, je dirais, je les appellerais les cinq primaires. Vraiment pour déjà comprendre un peu mieux comment on fonctionne, être à l'écoute de soi, de son corps et des directions qu'on a envie de prendre, dans cette conscience aussi du coup de quand tout ça émerge, de ne pas projeter sur l'autre, mais de revenir à soi pour savoir qu'est-ce que ça dit de soi. Qu'est-ce que ça dit aussi dans ah, peut-être j'avais des attentes, j'ai été déçue, je souffre. Alors, plutôt que de reprocher à l'autre quelque chose, ah ben je reviens à l'intérieur, les besoins, l'amour, la reconnaissance, hein, c'est toujours un peu de ça, et la sécurité notamment. La sécurité aussi, elle est hyper importante et je pense que je vais vraiment aussi la axer dans les prochaines vidéos sur cette sécurité intérieure qui est fondamentale. Besoin d'amour, de reconnaissance, mais vraiment un ancrage parce que c'est ça aussi qui fait que sinon. Si notre cocher, il connaît pas la direction, qu'il a un bandeau sur les yeux et qu'il dirige notre calèche n'importe comment, au moindre obstacle, tout vole en éclats. Et là, c'est l'explosion interne, on ne sait plus rien ni comment. Mais quand cette sécurité interne, elle est vraiment posée, en tant que je suis, en tant que ma sécurité ne dépend pas du grand autre. Ne dépend pas de l'argent que je vais gagner, ne dépend pas de l'amour qu'on va me donner, ne dépend de rien, mais cette sécurité qui peut se vivre en tant que complétude. Ici et maintenant, à chaque fois que je suis avec moi, je suis en sécurité. Et là, du coup, même si après des choses arrivent, quand ça c'est bien solide en soi, eh ben, ok, on le voit la petite pensée, on voit le petit mental qui vient nous raconter une petite histoire, qui voudrait nous faire croire à nouveau qu'on est ceci ou cela, mais en fait, ça dure pas. On capte le truc, mais on retourne dans cette sécurité qui n'est autre que la confiance en la vie, en fait, et d'être aussi bien plus que ce qu'on croit. Alors, dis-moi, Steph, puisque tu es là. Est-ce que, donc toi, t'as réfléchi un peu, est-ce que tu connais la différence entre honte, culpabilité, humiliation et gêne? Comme ça, on va créer ensemble toutes les deux. Si t'as pas réfléchi, tu peux prendre un petit moment. Et me dire. Et c'est subtil, hein. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément. Mais tu vas voir, il y a des choses là-dedans, là, dans ces quatre propositions qui sont des leviers, vraiment, de déconditionnement. Pour voir à quel point ces choses-là nous tiennent. Et que tant qu'on ne se pose pas dessus, on ne se rend pas compte, en fait, à quel point ça vient nous limiter dans ce qu'on est. Dans toute la magie qu'on pressent, dans le fait qu'on soit unique et que, ouais, dans cette énergie de se foutre la paix, franchement, d'aller voir vraiment au niveau de la honte, la culpabilité, c'est hyper intéressant pour pouvoir
Bah, être plus libre, hein, s'en dégager. Alors, tu me dis, la honte amène peut-être la gêne, la culpabilité aussi. Ouais, c'est intéressant. Alors, je te fais le petit topo. La gêne, c'est quelque chose, c'est la plus légère de ces émotions dans le ressenti. On est vraiment dans, c'est quelque chose qu'on sait qui peut arriver à tout le monde. Et surtout que ça passe. C'est un truc qui passe. Par exemple, tu bafouilles, tu trébuches. Là, on est dans de la gêne. On peut même en rire. Tu vois, c'est. Mais comme tu sais que ça arrive à tout le monde, en fait, voilà, ça passe assez vite la gêne. C'est vraiment quelque chose qui peut être ponctuel. Voilà, ça c'est la gêne. Ou tu sais, les filles, tu t'as mis une jupe, tu sors des toilettes et ta jupe. Et accroché dans ton collant, par exemple. C'est une gêne. Alors, j'en discutais l'autre fois avec ma fille, elle me disait, mais c'est la honte quand même. Mais la différence, on va la saisir. Donc, ça peut provoquer effectivement quelque chose là, mais comme on sait que ça peut arriver à tout le monde, vraiment, il y a cette dimension de, ok, ça passe, on va en rigoler. Ensuite, on a la culpabilité. La culpabilité. J'en avais déjà parlé et c'est vraiment en fait la différence entre. Bon, déjà, on est dans le faire. La culpabilité, elle a vraiment un lien à l'action. Vraiment, voilà, je vais avoir un problème avec l'action que j'ai faite. Donc, en général, c'est le décalage entre ce qu'on t'a inculqué comme valeur et du coup, tu n'es pas la perfection qu'on t'a dit que tu devrais être ou qu'on a sous-entendu sur les attentes qu'on a pu peser sur toi. Donc la fille parfaite que tu crois devoir incarner pour répondre aux besoins de l'autre et l'action que tu vas faire. Ça va être la différence entre les deux. Première chose. Et après, dans le travail sur soi, quand tu reconnais tes propres valeurs aussi, ça peut être cette différence entre ton propre système de valeurs et l'action que tu vas mettre en place. Par exemple, je ne sais pas moi, tu vois, tu as des valeurs de d'honnêteté, de voilà, de choses comme ça. Et puis, je sais pas ce qui te prend, t'es dans un magasin et tu vas voler un truc. Tu sais pas pourquoi. Et ben après, tu vas te sentir coupable. Parce que toi, dans ta valeur d'honnêteté, qui est la tienne, alors qui peut peut-être être branchée à ce qu'on t'a légué, mais là, en l'occurrence, qui est la tienne, et ben tu vas te sentir mal. Parce que l'action que t'as faite, elle est en décalage avec ce qui est juste pour toi. La magie de la culpabilité, et ça on en parle très rarement, c'est que la culpabilité, elle peut amener un changement. C'est-à-dire que comme tu vois ça, tu te sens coupable de ça, plutôt que de rester dans l'auto-flagellation de la culpabilité, eh ben, tu vas changer. Et comme tu vas le voir, tu vas dire, ah non, mais ça, en fait, je ne peux pas faire ça, c'est pas bon dans mon alignement, dans les valeurs que je porte. Eh ben, ça va t'entraîner à changer et tu ne revoleras peut-être jamais parce que du coup tu as décelé ça. Donc il y a une partie dans la culpabilité qui est hyper intéressante du côté de ça favorise le changement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui du coup peut changer de ok, j'ai fait cette action, mais j'ai compris, et eh ben je ne ferai pas forcément les mêmes derrière. Tu vois? On peut même arriver bah, dans des cas, par exemple, de dépendance. Quelqu'un dont la valeur forte est conscientisée de une de mes valeurs principales, c'est la santé. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, si la personne fume, par exemple, eh bien, ça devient en décalage avec ses propres valeurs. Donc ça vient dépasser l'autodestruction du conditionnement d'avant. Et parce qu'il y a conscience de ce décalage entre la valeur et l'action, eh ben, le changement va peut-être être bien plus facile à produire. Ben, je vais arrêter de fumer pour honorer la valeur qui est la mienne.
Mais du coup, de voir que c'est en accord avec soi. Et du coup, de se dégager des addictions quand on n'a pas regardé tout le processus derrière d'autodestruction. Eh ben, le changement, mine de rien, il y en a qui auront beau faire 10 séances d'hypnose, il va pas se passer grand-chose. Voilà. Est-ce que déjà pour la gêne et la culpabilité, ça te permet d'y voir plus clair? Alors, tu me dis la culpabilité bien trop présente. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que là, du coup, toi, ça peut te donner des indications pour lâcher un peu la culpabilité? Quelles sont tes valeurs? Peut-être aller regarder quelles sont les valeurs de la famille. Et toi, te repositionner par rapport à ça pour voir quel changement tu peux mettre en place. Yes, tu me dis. Trop bien. T'en es en tête à tête, j'aurais pu t'inviter. Non, bon, faut rester discret. Ok, voilà, culpabilité. Ensuite, la quatrième, c'est. On a dit l'humiliation. L'humiliation. Ben ça non plus, on n'en parle pas énormément. Tu vois, mais moi, quand j'ai commencé à parler un peu là, dans les vidéos des blessures, ben je pense qu'elle vaut vraiment le détour, celle-là. Parce que elle est dans toute cette mouvance de je ne suis pas une bonne personne, en fait. L'humiliation. Elle est directement connectée avec l'injustice. Donc, on peut se faire humilier par l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, il y a un truc qui dit, c'est pas juste. Du coup, l'humiliation, c'est le degré qui est en dessous de la honte. Il va permettre d'aller libérer peut-être la parole et de pouvoir rétablir l'humiliation pour qu'elle ne soit pas complètement qu'elle prenne pas trop de place en nous dans nos actions, dans notre inconscient, dans les choses comme ça. Par exemple, ah bah tiens, tu vois, une fois je parlais là quand on m'avait interviewé sur mon enfance ou quoi, tu vois, en première, non, en seconde, j'étais mais nulle en physique, mais une catastrophe. J'avais beau essayer de tricher, tout ce que tu veux. J'étais toujours dans les dernières avec ma copine, c'était soit elle, soit moi. On avait entre 0 et 0,5. Et donc cette prof hyper stricte, avec sa blouse blanche, elle rendait les copies dans l'ordre décroissant, de la meilleure à la moins bonne. Et donc elle passait toujours un quart d'heure sur la dernière copie à nous humilier devant toute la classe. Et en fait, personne n'osait rien dire. Et toi, tu te sens mal, hein? C'est compliqué. Et voilà, donc le truc, c'est soit quand elle te dit que t'es nul et qu'elle a jamais vu ça d'être aussi nul, soit tu sens que c'est injuste qu'elle te dise ça. Et donc ça reste dans l'humiliation. Et tu vas aller en parler à quelqu'un et pour rétablir ça, quelqu'un qui pourrait lui dire, je sais pas, les parents, tu vois, avec nos enfants par exemple. Tu vois, c'est arrivé des fois que les enseignants, ils soient injustes et humiliants avec nos enfants. On peut aller dire, maintenant, ça suffit. Ça, c'est non. Et on rétablit l'injustice. Donc, il y a quelque chose quand même au niveau de la parole qui va pouvoir se débloquer. Moi, je me souviens qu'à cette époque, peut-être au bout de quelques mois d'humiliation, je crois que j'en avais pas parlé à mes parents. Mais par contre, à un moment donné, je me suis levée, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Et elle me courait derrière, revenez ici. Mais à un moment donné, cette humiliation, c'est non. Bah non, en fait. Et il me semble qu'après, peut-être que j'ai pu en parler avec mes parents, mais bien après, en fait, ils m'ont dit, bah peut-être aurait pu nous en parler, on aurait pu voir ça ensemble. Donc c'était entre l'humiliation et la honte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a pu rester. Ah, qui était un peu dans les deux. Tu vas voir quand je vais expliquer la honte. Ça s'est bien ancré en moi aussi. Parce qu'en fait, des humiliations répétées vont devenir de la honte. Et la différence entre les deux, c'est que l'humiliation, il y a cette notion de ne pas mériter ça, alors que dans la honte, on va le voir, c'est je mérite ça, je mérite ce qu'on dit, je mérite ce que je ressens.
Donc, quand même, dans l'humiliation, il y a quelque chose qui peut sauver le truc en disant non, mais là, c'est injuste, ça suffit, stop. Alors, dis-moi un peu comment. Humiliation, plutôt une blessure. Ouais. Oui, mais tu vois, on va la ressentir aussi tellement au niveau du corps. Ouais, c'est une blessure qui peut activer peut-être la honte. Mais j'avais envie de les placer toutes en émotion, tu vois, de pas. De ces trucs qui nous traversent, qui peuvent être en fait renvoyés aussi par l'extérieur. Et qu'on va prendre pour vrai, en fait. Du coup, c'était ça que j'avais envie qu'on voit un petit peu. Et pour les enfants, tu dis, ça fait de sacrés dégâts. Ouais, franchement, c'est. L'école et tout, ils se rendent pas compte à quel point des fois ils peuvent être. Ouais, il peut y avoir ça. Et en plus, dans la fragilité de l'adolescent aussi, qui traverse ces moments de. Ouais, franchement, c'est pas facile. Dis-moi, j'ai une de mes filles en troisième. Elle avait besoin de prendre une pause. Cette année, elle est en scolarité à la maison. Elle avait vraiment besoin de prendre une pause au niveau du système scolaire. Parce que nous, on a beau leur répéter tout le temps que ça n'a rien à voir avec leurs valeurs. Les notes et ce que peuvent dire les enseignants, à un moment donné, comme ils sont l'adulte référent, ben ça s'ancre quand même sacrément à l'intérieur. Et ouais. Et c'est ce qui va faire qu'adulte, on va avoir du mal à être nous aussi dans tout ce que ça a ancré de ne pas être assez bien, de ne pas rentrer dans le moule. Et effectivement, l'éducation nationale, alors là, on est en plein là-dedans, c'est-à-dire. Il faut correspondre à ça. Si tu n'es pas ça, t'es du caca en fait. Hein. T'es nul. On ne va pas te présenter les filières techniques comme étant des choses qui pourraient correspondre à ta manière d'apprendre. Mais comme t'as pas des notes assez bonnes, on va réfléchir à ton orientation. Tu ne vas pas aller là. Enfin, tout est un peu mis dans le sens où. Où, ouais, il y a comme de la compétition, il y aurait un degré d'intelligence. Et donc là, on rentre dans la honte directe. On a vu la culpabilité, c'est en lien avec l'action, le faire. La honte, on est dans l'être, on est dans la profondeur de l'être. Et tu vois, la honte, c'est vraiment quelque chose qui est tabou. Pour moi, il y a trois tabous en France. La honte. Parce que personne ne parle de ses hontes et puis celui qui va être amené à recueillir un témoignage de honte de quelqu'un, tu le sens dans ton corps, t'es gêné, les empathiques, les hypersensibles, parce que c'est hyper puissant comme ressenti dedans. Hein, cette envie de se faire tout petit, moi des fois c'était d'aller m'enterrer dans mon jardin, quand la montée remonte, c'est un espèce de puissant fond qui t'aspire comme toute ton énergie, quoi. Et donc, qu'est-ce que je te disais par rapport à ça? La honte. Ouais, comme un tabou. Donc, la honte, on n'en parle pas. Les deux autres sujets tabous, c'est l'argent. Alors, ça, c'est pareil, hein, faut pas en parler parce que y a tout ce qu'on projette dans le mot argent qui aurait un lien avec notre propre valeur. Donc, on va surtout pas dire combien on gagne. On va surtout pas parler d'argent parce que. Sinon, l'autre, il risquerait d'y associer la valeur qu'on a par rapport à ce qu'on va, à ce qu'on pourrait posséder ou pas. Donc, tabou. Et puis, la mort. La mort, on sait qu'on va tous mourir un jour, mais pourtant, personne n'en parle. Ou alors, pour faire de la survie à tout prix. Enfin, voilà, c'est des sujets. C'est hallucinant de voir à quel point on va tous esquiver d'en parler véritablement dans le fond des choses. Parce que ça fait tout simplement partie de la vie et qu'on pourrait développer un bien d'autres regards par rapport à tout ça pour se sentir aussi bien plus libre et plus vaste. Donc, la honte. Eh ben, tout le monde ressent ça. Sauf que on croit que en fait, il n'y a que nous. Et déjà là, il y a une espèce de distorsion. La gêne, on a vu que tout le monde pouvait passer par là. Et on se le sait dedans, la honte, c'est comme si sur les choses sur lesquelles on ressent la honte, il n'y avait que nous. Et c'est ce qui en fait le sujet tabou, on ne va surtout pas en parler.
parce que ça montre trop notre différence et que c'est comme si ce qu'on est mauvais par rapport à ce qui est ressenti. Donc souvent, ce qui va se dire, c'est je suis nul. Ça touche directement à la personne. Tu vois, un peu si on reprend mon exemple de tout à l'heure en première, un enseignant qui répète tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, ben la honte intervient à partir du moment où on va finir par croire ça. Et du coup, on croit qu'on est nul. Et donc là, on touche aux profondeurs de l'être. Et si au fond de soi, on croit à ça, qu'on est nul, ben ça va être compliqué de d'être visible aux yeux de tous. Ça va être difficile d'être totalement soi. Parce que sinon, ça veut dire que dans notre vulnérabilité, l'autre pourrait voir la supercherie qu'on est, la mauvaise personne qu'on est. Et que du coup, dissimuler finalement la honte de ne surtout pas en parler, c'est comme si ça nous protégeait. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Plus on va maintenir cet espace de honte en soi sans en parler, plus ça va nous empêcher de. C'est aussi pour ça que du coup, un des programmes de groupe qui arrive, c'est Shakti, où il va y avoir aussi cet espace de parole pour femmes. À la fois parole et libération, parce que en fait, une des possibilités pour vraiment sortir du regard de l'autre, être soi, prendre sa place, bah, ça va être cette empathie, de pouvoir en parler. Et du coup, ce n'est plus avoir peur que les autres se moquent de nous, rient de nous, mais en racontant nos petites expériences de honte, on va pouvoir rigoler avec et ça va pouvoir se diluer quoi, tu vois, disparaître. Donc hein, le problème c'est on finit par croire et assumer, c'est ça le danger. Et donc on finit par assumer qu'on est un imposteur, qu'on est nul, qu'on est ce que les autres pourraient penser de nous. Et c'est pour ça que 95% de nos fonctionnements sont inconscients, parce qu'on n'a pas idée à quel point on donne notre pouvoir à ce que l'autre pourrait penser de nous. Et la honte, c'est ça, c'est comment j'incarne ce que l'autre pourrait penser de moi. Comment je lui donne le pouvoir de, s'il dit de moi que je suis nulle, incarner cette nullité. Donner raison à quelque chose d'extérieur qui ne repose que sur les croyances de l'autre, ses propres projections, et comment, à quel point on est vraiment branché sur il y aurait du bien et du mal, il y aurait être une bonne personne comme ça ou alors être une mauvaise. Et on veut surtout jamais être la mauvaise personne. On veut être toujours la bonne personne. Et donc ça vient créer des espèces de conflits, de dualité intérieure. Ben en fait, on est tout. Des fois, on n'est pas sympa. Des fois, on est. Mais quoi, en fait? On est tout. Et tant qu'on refuse de voir toutes ces parts en nous, d'accueillir aussi cette honte, cette imperfection, tout ça, eh ben, il va toujours y avoir des espaces de friction, des espaces de tension qui font que ben, finalement, prendre sa place, n'en avoir pas. Plus rien à faire de ce que peuvent penser les autres de nous, être notre propre. On parle là de souveraineté, de être sa propre référence sans avoir à se justifier auprès des autres. Et très souvent sur le chemin, on va attendre que l'autre vienne valider ce qu'on peut être et ce qu'on peut penser. Mais tant qu'on attend cette validation, c'est qu'on est encore sur un pouvoir extérieur. Le seul moyen, c'est ben, en fait, j'ai le droit. J'ai le droit d'être moi, quoi. Et en fait, si ça plaît pas aux autres, c'est qu'ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel. Et en fait, c'est pas mon problème, en fait. C'est pas mon problème. Ouais, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Et du coup, travailler autour de la honte en soi, eh ben là, on vient libérer bien, bien des programmes. Bien des programmes inconscients, bien des programmes connectés à l'extérieur, au fait de donner tout notre pouvoir à l'extérieur. Et en fait, bah, c'est aussi tout le lien avec le rejet dans la honte, hein. Évidemment, je ne veux pas que l'autre perçoive ça de moi, donc ma vulnérabilité, le fait que je sois tout en même temps, parce que s'il voit ça de moi, il va me rejeter. Donc toutes ces choses dont on parle, elles ont à voir aussi avec la blessure de rejet. Voilà. Donc autant ne rien montrer de soi, ne rien faire, comme ça on ne prend pas le risque d'être rejeté. Et là, notre cocher, il est rassuré, tout va bien. On reste dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, parce que du coup, bah, on va rien faire. Et au bout d'un moment, on va perdre aussi notre étincelle, notre joie de vivre, parce qu'on ne va pas s'autoriser à aller vers ce qui nous met en joie et qui ne correspond qu'à notre modèle, puisqu'on est unique. Et donc, comme bah, on est constitué pour éviter la souffrance, bah, on va éviter un potentiel rejet et on ne va pas pouvoir kiffer, s'expanser, être vraiment connecté dans notre abondance interne pour qu'elle se reflète à l'extérieur. Voilà. Alors, je reviens au petit commentaire. Tu me dis oui, une émotion aussi, carrément. Ouais. Et oui, dur, dur. Faut rentrer dans les cases. C'est exactement ça. Et du coup, comme on est bah, élevé comme ça, hein, dans le formatage. Et on le voit aussi dans l'actualité, tu vois, la minorité qui ne se font pas vacciner, on dit vous de la culpabilité, et puis vous êtes les méchants, en fait. C'est grâce à vous. À cause de vous. Et puis on va bien vous emmerder. Mais qu'est-ce que ça renvoie à l'intérieur si on donne trop d'importance à ça? Bah quoi, on va avoir honte parce qu'on est des mauvaises personnes. Et tu sais, ça, je l'ai vu l'année dernière dans les ateliers philo avec les enfants. Où quand on parlait des émotions, donc pareil, hein, je leur explique l'intelligence émotionnelle. Ouais, les enfants qui disaient, mais en fait. Bah moi, ça me fait peur parce que si ma grand-mère, elle meurt, ça va être de ma faute. Tu vois, toute cette culpabilité-là qu'on injecte aussi aux enfants à travers l'actualité d'aujourd'hui. Culpabilité, peut-être honte pour certains de se dire que bah, c'est des méchants parce que c'est eux qui diffusent un virus. Honte. À quel point ça va venir aussi les perturber, les éloigner de la magie qu'ils sont, rajouter un truc bien lourdingue, bien grave, bien. Et là, on est du coup sur une culpabilisation par rapport à un avis extérieur. Parce que bah, lui, s'il se branche sur son propre système de valeurs, l'enfant, ça n'existe même pas. Même pas culpabiliser, quoi. Et donc, la culpabilité, c'est même pas un truc non plus que d'adulte. Tout ça, c'est quelque chose qui naît dès l'enfance. Et c'est pour ça que dans le travail là de déconstruction, on va aller chercher dans l'histoire les choses qui ont été activées, puisqu'après, ce n'est aussi qu'une réactivation de ça, dans des cycles de patterns qui se répètent, parce que finalement, dans la vie, tout est toujours fait pour revenir à soi. Ok, là tu sens ça, c'est parce que tu es à l'extérieur. Mais si tu reviens à toi, déploie la sécurité, déploie l'amour, déploie la reconnaissance. Et tout est toujours fait pour nous ramener à ça. Un peu comme bah, l'histoire là avec le. Qu'on avait la divinité en nous et que l'homme en a abusé, on lui a enlevé. Et puis, genre, ils ont été le cacher et les hommes, ils ont ratissé tout, tout, tout et on l'a caché à un endroit où ils n'iraient jamais le chercher, en eux.
Mais c'est exactement ça. C'est comment revenir sans cesse à soi. Et comme l'extérieur n'est qu'un reflet de tout ce qui n'est pas aimé à l'intérieur de nous, eh ben on va du coup re-rencontrer le même genre de blessures, le même genre de personnes qui peuvent réactiver la honte en nous, tout ça. Bah alors on revient dedans et on touche à cette divinité et qui ne sépare plus, mais qui unit les polarités, qui sort du bien et du mal et qui s'aime dans sa totalité, dans toute sa différence. Et encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes différents que nous sommes moins bien que les autres, mais au contraire. Et notamment plus là chez les hypersensibles aussi. C'est vrai que la plupart des gens finalement qui viennent vers moi, c'est des hypersensibles, empathiques, HP. Hein, tout ce qui va être pensée arborescente, toutes ces choses-là. Et que bien sûr qu'on était différent d'un modèle qu'on nous a montré enfant. Bien sûr qu'on ne comprenait pas le système éducatif. Mais on a vraiment fini par croire à cette histoire que, en fait, bah, ce qu'on était, c'était pas bien. Puisqu'on n'était pas ce qu'on attendait de nous qu'on soit. Donc, évidemment, pour nous, il y a du gros boulot de aussi retrouver la justesse, le goût de soi. Après des années de il faut que tu sois autre chose que ce que tu es, parce que ce que tu es ne correspond pas. Voilà. Ouh là, ça fait presque 1 heure déjà. Oh là là. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Steph? Est-ce que ça t'a amené des petites choses, un peu de valeur, peut-être des prises de conscience, ou peut-être des liens comme ça, des souvenirs qui remontent. Tu sais, des fois, clac, on va penser un truc pendant que je te raconte une histoire. Toi, tu vas penser à une de tes histoires. Et peut-être qu'il y a des endroits, du coup, comme ça, que directement, tu peux apaiser, quoi. Et puis, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, voilà. Et puis, du coup, bon, bah, j'en profite pour quand même bah, reparler vite fait du programme Shakti. Ça y est, on est en train juste là de faire un dernier détail pour qu'il y ait toutes les infos. Et donc ça commence le 14, petit groupe de femmes. On va aller voir ça, rencontrer ça, libérer ça. J'ai toujours pas de programme exact. Tout va être dans l'impro. Moi, je reçois l'énergie, je la transmets. Dans une matière de, voilà, on a pendant 6 semaines, on va se rencontrer une fois par semaine et en fait on va co-créer. C'est comme ça, on contrôle pas. Parce que de toute façon, on ne contrôle pas la vie. Je sais pas si tu as essayé, si d'autres ont essayé de contrôler la vie, mais la vie, on ne la contrôle pas. Donc tout se fait toujours dans l'instant. Mais ouais, ça va être, comme je sais que les groupes ne se constituent jamais par hasard non plus, ça va être vraiment, ouais, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de le vivre. Et voilà, premier programme de groupe qui commence le 14. Et ben voilà, ah, quelqu'un d'autre nous a rejoint à la fin. Et ben, je vais m'arrêter. S'il y a autre chose, allez, j'attends un petit peu. Pour ceux qui regarderont, bah, n'hésitez pas, hashtag replay. Dites-moi, vous aussi, est-ce que ça a fait bouger des choses ou pas? Est-ce que ouais, c'était quelque chose qui était déjà bien dans le champ pour vous? Peut-être même que vous avez envie de rajouter quelque chose à ça. On a artisé très rapidement. On pourrait en parler vraiment pendant des heures. Donc, comme d'habitude, c'est mon point de vue, c'est ma manière de transmettre. Mais n'hésitez pas vous aussi à partager tout ça. Donc, hashtag replay. Et puis voilà, gros bisous. Je crois qu'il y a un petit commentaire de Steph. Delphine, je dois filer. Merci beaucoup. Très sympa ce petit live en milieu de journée. À très bientôt. Continue, c'est top.
Merci Phil et Steph. Moi aussi, je dois filer, donc c'est super. Merci d'avoir été là pour qu'on puisse faire un ping-pong ensemble. Et puis voilà, au revoir tout le monde. Et à bientôt.